Bastia 19e accueille Amiens 18e. Match de bas de tableau très important. Un point seulement sépare les deux formations. Elles ont donc des bilans forcément en dessous de ce qu'il faudrait pour s'extraire de cette zone. Un point sur les trois derniers matchs pour Bastia seulement. Une victoire sur les 9 dernières rencontres pour l'équipe corse. La première opportunité tout de même intéressante pour les locaux. Bastia met la pression. Nouvelle balle dans la surface, se tire. Et le ballon capté par le gardien. Ce n'est pas suffisant pour faire la différence. Mais une petite possibilité tout de même. Une chance de tir avec Talal. Görtner a pris la balle. Réponse amiénoise. Avec ce ballon sauvé par Vincent Zini. Amiens sort d'une victoire et une défaite après 4 nuls. Les Amiénois ont du mal à décoller. Un succès en terre corse changerait tout. Mais personne n'a marqué dans la première période. 0 à 0 à la mi-temps. Bastia peut compter sur Salamonche, sur Santelli pour faire comme souvent la différence. Mais Amiens a quelques arguments avec Bamba, Moussamba et Badji. Il y a tout de même quelques gestes difficiles, des maladresses. Et là, ici, un geste trop compliqué pour Bamba. Mais Amiens domine dans cette partie de match. Encore une bonne ouverture. La possibilité peut-être de marquer, de faire enfin la différence. La parade de Vincent Zini. Bonne possibilité pour Bamba. Une bonne parade qui permet à Bastia de rester dans le match et d'espérer pourquoi pas à son tour avoir une bonne occasion. Tentative intéressante de Christophe Vincent, mais c'est directement sur Régis Görtner. Encore une pour les Corses, toujours Vincent, mais c'est trop sur le gardien. Il y a un peu plus d'enthousiasme dans la fin de match, mais c'est très insuffisant. 0 à 0 entre Bastia et Amiens.